ici, c'est ici que tout va commencer pour vous, l'île de Ré. Je suis née ici et ma famille y vit depuis plusieurs générations. Depuis, mon grand-père m'a élevée et m'a fait découvrir ce petit bout de terre que j'aime tant. Grâce à lui, je connais chaque recoin, chaque grain de sable et chaque histoire de l'île. Un jour, mon grand-père m'a raconté qu'il y a quelques décennies, le gouvernement avait décidé de faire un plan de relance économique sur l'île. Car les pauvres petits commerces étaient au bord de la faillite. Nos magasins, nos restaurants et nos boutiques ont tous fermé, sauf quelques-uns. Alors, le gouvernement avait décidé de faire passer tous les migrants souhaitant avoir la nationalité française par l'île de Ré. Désormais, de nombreux magasins ont déposé leurs bagages sur l'île, comme ce magasin d'électronique. Depuis, mon grand-père est le gardien du phare de la baleine. Il peut vous faire visiter le phare et si vous le souhaitez, vous pouvez gravir les 257 marches du phare et voir une vue fantastique. Mais attention, ayez le cœur bien accroché, 257 marches, ça ne se monte pas si facilement. Une fois votre demande de passeport acceptée, vous pourrez franchir ces barrières et être libre de pouvoir explorer les moindres recoins de notre belle France. Nous vous attendons avec impatience et à très vite sur DLF.